Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Stick It to the Stickman, un jeu que je vous avais déjà présenté il y a pas mal de temps maintenant. C'est un jeu qui est disponible sur le site itch.io. Ouais, en ce moment je suis en train de refaire un petit tour des jeux itch.io qui sont assez sympas. Et en l'occurrence, il y a eu une mise à jour très intéressante puisque de base c'est un jeu où on contrôle un Stickman forcément, et c'est un jeu de combat roguelike avec du coup des améliorations au fur et à mesure qu'on va avancer. C'est franchement cool, c'est un défouloir, c'est voilà, très sympa. Et de base, c'est en 2D. Et en fait, ils ont rajouté un niveau qui est en 3D. Donc, c'est une démo aussi. Pareil, on peut la télécharger gratuitement sur le site itch.io également. Et en fait, dans ce côté 3D, ce qu'il y a de cool en plus, c'est que tout est destructible. On peut vraiment interagir avec avec le décor, les différents éléments. Et notre personnage, en gros, il subit, si vous voulez, des tests au niveau mental. C'est-à-dire qu'on va avoir des pouvoirs psychiques. Et du coup, c'est franchement stylé, donc j'avais envie de tester ça avec vous. Donc là, pour le moment, bah, j'ai pas débloqué grand-chose, j'ai juste fait une petite partie découverte. Donc voilà, il y a plusieurs persos à débloquer au fur et à mesure. Là, bah, écoutez, on va prendre celui-ci, c'est le dernier que j'ai, donc je ne l'ai pas testé, on va le découvrir ensemble. Sachant qu'on a un déplacement, on a une capacité spéciale et on a un passif. Donc là, en l'occurrence, vu que c'est pas forcément super bien expliqué, je sais pas trop ce que ça fait, mais on va essayer de tester et on va bien découvrir ensemble. Allez, donc c'est parti, on est prisonnier, il va falloir nous libérer avec la capacité spéciale, donc let's go. Je sais pas ce qu'elle fait, mais bon, on va voir. Donc normalement, attendez, on va juste essayer de tuer un petit peu les ennemis ici, et ensuite on va voir un peu ce qu'on a. Ok, donc déjà le fait de tuer des premiers ennemis, ça nous permet de gagner de l'XP, cette XP nous permet de débloquer des compétences, et c'est ça vraiment qui va nous permettre de nous battre. On a la possibilité aussi de reroll 3 fois. Bon, là pour l'instant on va prendre ce qu'il y a, de toute façon je connais pas trop, Fire Blast, ok. First lap. Allez, on va prendre les Saw Blade. Donc toutes les 4 secondes, en fait, ça va envoyer une scie. Regardez. On va le voir normalement. Mais il y en a une qui est déjà en bas. Elle va bientôt réapparaître, je pense, ici. Vous avez vu, elle est autour de moi. Et là, quand les adversaires s'approchent de moi, du coup, cette scie va attaquer automatiquement. Donc en fait, c'est des auto-attaques, hein, si vous voulez. C'est vraiment. Enfin, c'est même pas des auto-attaques. C'est vraiment des attaques automatiques. On a vraiment rien à faire. Il faut juste qu'on passe dans la zone de nos adversaires pour pouvoir les attaquer avec. Et petit à petit, en fait, on va se faire un build comme ça, qui est franchement stylé. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est que, en fait, à la fin, généralement, on est vraiment en mode super-héros, on a des pouvoirs de ouf. Pick-up débris. Ah, j'ai envie de tester ça. Ça va me permettre de récupérer les débris qui sont autour de moi. Et là, vu qu'il y a des débris et que je vous ai parlé de la physique, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment tester avec vous, regardez. Vous avez vu? Autour de moi, ça récupère les débris. Et donc, ça va faire des dégâts à mon adversaire. Vous avez vu? Tous les débris, en fait, ça l'attaque. Donc ça, c'est pas mal. Alors, par contre, je suis déjà mid-life. J'ai déjà que 4 PV, c'est pas fou. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué avec ce perso. Alors attendez, on va prendre quoi? J'ai envie de tester le javelin. Ok, il est autour de moi. Ça va attaquer aussi. Ok, là je m'envole. Ah, je prends des dégâts aussi là-dessus. Je sais même pas comment on se heal, mais c'est pas grave. Si jamais je meurs, je recommencerai de toute manière une autre partie. Le truc, c'est que, comme je vous disais, chaque personnage, donc il y a 3 compétences. On a un passif. Donc lui, je sais pas trop ce qu'il fait. C'est un truc qui apparemment. Ça fait des dégâts, je crois, avec la parole quand les ennemis sont dans ma zone déjà au début. Après, on a. Un déplacement, mais en fait le déplacement de ce personnage, en fait c'est une attaque j'ai l'impression qui un petit peu spéciale aussi. Donc ça fait bizarre parce que l'autre personnage que j'ai joué, ah mais ma zone elle a grossi aussi. L'autre personnage que j'ai joué, celui de base, cette attaque-là en fait c'est un dash donc ça permet quand même d'esquiver un petit peu. Je le trouvais plus puissant finalement, j'ai l'impression. Et donc l'autre attaque qu'on a c'est vraiment la compétence que vous voyez en bas à droite, le press X. Vous voyez, je peux le faire qu'une fois tous les X temps, après ça se régène. Et ça, je sais pas exactement ce que ça fait. J'ai l'impression que ça prend le contrôle un peu des ennemis. On va voir, on va réessayer. Par contre, je sais pas comment on se heal, mais faut vraiment que je me heal, hein. Non, mais même lui, il m'a fait des dégâts. Ok, avec ça, en fait, je repousse, ok. Et avec ça. Ok. On verra après. Donc là, soit j'augmente le level du Saw Blade. Généralement, augmenter une caractéristique, ça va permettre soit. Que le cooldown soit plus faible, c'est-à-dire qu'au lieu de tirer toutes les 4 secondes, ça va être toutes les 2 secondes. Soit ça permet, bah là ici, d'avoir 2 Saw Blades directement au lieu d'une seule. Ça permet d'ignorer un hit toutes les 20 secondes, ça c'est pas mal. Et le gun creation, je pense que ma partie en vrai, elle est très mal engagée. Il faudrait que je prenne l'exoskeleton, mais je pense que pour le côté style à découvrir en vidéo, on va tester ça. Ça va créer une arme autour de moi qui va donc bah, tirer forcément tous les X temps. C'est assez sympa. Alors, sachant que pour l'instant, vous allez me dire que toutes mes compétences se ressemblent un peu. Je crée en fait des armes autour de moi, sauf les débris hein, qui tournent autour de moi, du coup, que ça change un peu. En réalité, il y a des compétences qui sont vraiment très différentes.
où on va repousser les adversaires, où on va créer du feu autour de nous. On l'avait vu, hein, la première compétence où on a vu le choix au début. Mais là, c'est vrai que c'est bah, par rapport à ce qui s'est offert à moi, on va dire. Ok, on va ulti. Ouais, en fait, ça a l'air très fort, hein, quand même, ce X. Ce X a l'air très fort. Oh, Overkill Rocket, c'est quoi ça? Et ça, c'est quoi? Increase all damage. Et ça, c'est... Ah, en gros, quand... Ah ouais. Allez, on va prendre le heal quand je reroll. Parce que je vais en avoir besoin. Et encore, si je tiens jusque-là, les amis. On repousse un petit peu, ça évitera de me prendre des balles dessus, puisqu'on me tire dessus. Et je vais faire un reroll du coup ici. Hop, voilà, ça va me permettre de me heal déjà. Oh, les spikes, ça a l'air très stylé justement, tiens, pour un truc qui change un petit peu. Parce que je vous dis, ce serait cool de voir autre chose que juste des... j'ai des armes qui me tournent autour. Alors c'est sympa quand il y en a une ou deux, mais effectivement, si je vous montre que ça, vous allez vous dire que ça n'a pas été très recherché en termes de compétences. Alors qu'en fait, vous allez voir, juste les pics. Oh non, je vais perdre de la vie là-dessus, non. Ah, je suis débile en plus. Limite, j'ai envie d'aller dessus parce que je trouve ça trop stylé. Oh! Regardez la pique! Oh, ça me fait tellement penser à du. Comment ça s'appelle? Totally Accurate Battle Simulator. Vous savez, vous avez. J'aurais pu dire Tabs, hein, très clairement. Ah, le mur qui commence à se casser par contre. C'est trop stylé, je trouve, la physique. Mais ouais, ça fait penser à ça. Alors, je sais plus comment il s'appelle, celui qui justement met les piques là du sol. Fire Blast. Allez, bon, on pourrait faire ça comme ça, on a du feu. L'arme. On va pas le faire. J'ai envie de vous montrer un max de choses, forcément, on est en vidéo, je vais vous montrer des compétences différentes. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air d'être un genre d'éclair. Mais un éclair mental, puisqu'il parle de mind. Mais je sais pas exactement ce que ça veut dire, head hatch, je sais pas trop. Mais le fire blast, ça peut être stylé d'avoir un petit peu de feu, c'est quoi? C'est derrière moi, je crois, celui-là. Ah non, c'est pas forcément... Il est où? Ah, c'est vraiment un effet de feu, en fait, autour de moi? Oh non, mais... Et je vous jure, je suis vraiment débile avec ces ventilos là. Le problème, c'est que lui, quand il me choque, je peux rien y faire. Je vais vraiment reprendre un perso qui a réellement un dash après, parce que je vous jure, c'est mille fois plus simple. Déjà, il suffit de full dash comme un débile pour commencer. Oh, Spike level 2. En gros, c'est le cooldown qui diminue, je pense. Force shove, c'est quoi? Un truc qui repousse un peu. On va tester voir ce que ça fait. On a tous les cooldowns aussi en bas, hein, vous voyez. Ah non, en plus c'est le genre de boss là. Ah c'est ça. Vous avez vu? Alors on le voit pas forcément très bien. Ce que je viens de débloquer en gros, c'est ce qui a fait que sa tête a heurté ses pieds en fait. Alors la traduction c'était un petit peu ça, je crois qu'il y avait marqué d'ailleurs. Je voyais pas trop ce que ça allait faire, mais en fait on le voit et effectivement c'est ce que ça fait réellement. Ça c'est le premier boss. Qui est pas si compliqué que ça non plus, hein, mais... Alors ça, c'est quoi? Ah, plus de portée. Ah, ça me paraît très très fort. Ça me paraît très très fort, attendez. Ça veut dire que mon cercle, regardez, il va augmenter. Ce qui veut dire que je vais... prendre tous les éclairs. Ah, c'est dommage. Ah, je vais die. Ah, je suis mort. En fait, c'est super fort parce que du coup, j'attaque de plus loin, donc c'est trop, trop, trop fort. Par contre, je vais changer de carrière très clairement. Moi, ça me... Non, ça me convient pas. Alors, j'ai pas testé lui, mais honnêtement, peut-être pour assurer le coup, je vais rejouer avec celui-ci. C'est le premier que j'ai testé. Hein, alors, le passif, je sais pas comment on peut aller les lire. J'arrive pas à y aller. Je sais pas comment on lit le passif, donc je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. Je me demande si c'est pas du heal, justement, quand j'élimine des adversaires ou quoi, parce que j'avais du heal avec lui. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais lunch, je me dis. Free lunch, tout ça, pourquoi pas. Flex, c'est un truc qui attire vers moi, qui fait des dégâts. Et le déplacement, du coup, là, c'est vraiment un dash qui fait aussi des dégâts. Donc ça me paraît plus fort. Alors c'est pas grave, au moins, la première partie, regardez, le flex, là. Et le petit dash, ah voilà, ça fait plaisir. Et vous avez vu, je... Ouais, non, j'allais dire une bêtise. Mais ouais, non, dans tous les cas, la partie d'avant, c'est cool parce que ça vous aura montré un petit peu... différentes capacités sur le jeu et tout. Et là, on va essayer de faire quelque chose de bien maintenant. Essayer de faire une belle game. Bon, ça, on l'a déjà vu. Fire Blast, on l'a vu aussi. Gun Creation. Je pense que je vais reprendre le Fire Blast pour commencer. Qui m'a pas l'air d'être le pire au début. Mais vous voyez, là, je peux dash un petit peu avec le Blast en plus derrière.
Essayez de pas prendre trop de dégâts. C'est combien d'XP quand même? Ok, Mind Attack, Fire Trail. Ah ouais, c'est avec lui que je confonds. C'est lui que j'avais testé sur ma partie test, je pense. Bon, en fait, ça, là, c'est vraiment une traînée de feu derrière moi. Ouais, regardez, là, il y a vraiment une traînée de feu derrière moi. Allez, fais ta petite traînée de feu, voilà. Comme ça, il passe dedans. Regardez, il s'enflamme. Et mine de rien, les dégâts sont pas non plus ridicules. Ah, j'ai pris un petit peu de dégâts, par contre. Attention. Ok, donc là, on est pas mal. Voyons voir. Les spikes, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé. Alors d'ailleurs, je crois que je pouvais prendre l'ascenseur qui était en bas. Et vous avez vu, là, je me suis heal. Alors, j'ai pas fait attention comment je me suis soigné, par contre. Mais j'étais à 8 PV, je suis remonté à 9. J'ai pas... Mince, j'ai pas capté. Je sais que je peux me heal, en tout cas, avec lui. Je m'étais déjà soigné. Alors, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être juste dans les zones hein, qu'il y a quelque chose. C'est du hasard. Bowel Control. Pas trop ce que c'est. Tous les X temps, il y a un contrôle. On va faire quand même des tests, hein, je connais pas trop non plus. Après, avec tout ce qui se passe en même temps, des fois, vous savez, c'est dur de savoir ce qui fait quoi. Est-ce que le truc, il a fait... Ah là, il vient d'y avoir la petite fumée, je crois. Attendez, là, il est chargé. On va tester sur un adversaire. Ouais, c'est la petite fumée que ça fait derrière. Non, 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 non. Ouais, mais alors là... J'étais full life. Mais j'ai l'impression que c'est à chaque fois que je change de niveau, peut-être. À chaque fois que je clean un étage, peut-être que je reprends un PV. Je sais pas. En fait, il lâche clairement d'épée, on va pas se mentir, hein. On va pas faire le mec trop stylé. Hein. Mort méthane, ouais, en plus il parle de méthane et tout. Allez, c'est bon, on a compris. Hospital Mills. Increase max. Ah, la vie max augmentée quand je reroll. Fart split when. Ah non, quand quelqu'un marche dedans en fait. En gros, quand il marche dans mon P, ça va le diviser en deux, c'est ça. What the fuck. Ah, mais là je me suis heal. Ah, je sais pas trop comment ça marche. Bah, vous voyez, avec ce perso, au moins, je dash pas mal. Ça me permet d'éviter, parce qu'il y a des tirs de partout, donc je les vois pas forcément toujours. Ça permet de les éviter et de mieux s'en sortir, malgré tout. Force slap, non, ça m'intéresse pas. Je pense que, soit... Non, on va améliorer les pics. Ah, oh, je suis coincé. Ah non, il m'a attrapé. Oh, déjà? Non, mais alors, attendez, parce que là, je suis en train de faire un... Un build de paix. Je suis un peu triste presque. Attendez, je vais reroll parce que... Swirling Nexus of Gravity, what the fuck, ça a l'air trop bien. What the fuck? What the fuck? C'est trop fort ça. Je crée un trou noir vraiment. Ah par contre le bruit d'épée, je vous jure. Bon, il fallait qu'on le teste, hein. C'est un upgrade. J'ai envie d'upgrade le trou noir. Ça va, je suis à 11 PV sur 12. Ah, je vous jure, on va se taper des bruits de paix pendant tout le reste de la partie. Si elle dure longtemps, ça va être très drôle. Hein. Alors, je sais pas comment ça se fait aussi, mais des fois, vous savez, le petit cercle autour de mon personnage, peut-être que certains auront la réponse en plus. J'ai pas trop fait attention à quand est-ce que ça le fait. Mais des fois, ce cercle grossit. Et c'est pas parce que j'ai pris une compétence quoi qui fait ça, c'est vraiment il grossit des fois et ensuite il re-rétrécit. Et je sais pas à quoi c'est lié. J'ai eu trop peur de m'envoler. En même temps la partie d'avant déjà j'ai perdu la moitié de ma vie juste parce que je me suis envolé non-stop. Et lui il a pris pas mal cher déjà. Petit truc de feu. J'ai pas pris un seul dégât encore sur ce niveau pour le moment, c'est bien. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'ennemis. En fait, faut arriver à, voilà, à faire rentrer les ennemis dans notre zone. C'est quoi ces trucs-là? Mais sans trop les coller non plus, quoi. Demotional Vampire. Et alors, ça fait quoi? Ah, mais c'est marqué oui, en bas. Ah! Tiens, c'est l'XP qui me heal. 30% hein. Ah, mais là, il y a la range aussi. Il y a la range. Alors, l'XP qui me heal, c'est franchement fort parce que... Plus de vie. Plus de heal plus facilement.
Sinon, franchement, 30% de range, je suis désolé, mais pour moi, ça me paraît vraiment très fort hein, sur le jeu. C'est ce qui va permettre que je perde moins de vie en plus. Mais surtout que je me suis... Regardez, je me suis soigné quand même. Alors, c'est peut-être juste le passage de level qui me soigne en fait. C'est peut-être le passage de level qui soigne aussi, je sais pas. Mais dans tous les cas, ouais, je préfère... Enfin, si j'arrive à garder ma vie au max, c'est quand même plus intéressant d'avoir ce que j'ai pris. Par contre, il me faut plus d'attaque maintenant, ouais. Il me faut vraiment plus d'attaque. Ah, ignorer un hit, par contre, toutes les 20 secondes, ça permet de tanker, mine de rien. Ouais, alors, après, il faut vraiment que je monte mes DPS, par contre. Ah, là, j'ai bu un truc, j'ai vu. C'est peut-être ça, alors, qui, parfois, nous met bien. J'arrive pas à rentrer, j'avais l'impression qu'il y avait un ascenseur en bas. Pas du tout. Ok. Ok, le boss, déjà. Ils veulent me taser! Et on va essayer d'éliminer un petit peu les adversaires ici. Ce serait bien que je passe un level quand même. Mais... Alors le trou noir par contre qu'il a lâché sur ma pose, pas fou. Mon build est pas incroyable en fait, je manque de DPS, mais bon. Après j'ai au moins l'avantage de pouvoir rester en vie. Ok, Sawblade, Force Slap. Force Slap vraiment j'aime pas. Allez on va prendre les Sawblade, ça va commencer à faire un petit peu de DPS justement. C'est une bonne chose. Vraiment la zone de dégâts est incroyable. Presque là le feu si je peux lui mettre dessus et puis c'est bon. Hein. Il faut peut-être pas l'approcher lui. C'est le problème, c'est qu'on veut les approcher pour faire plus de dégâts. Et je pensais que mon dash faisait quand même des dégâts, mais j'ai quand même un doute maintenant. Par contre, il y a un truc que je me rends compte que j'ai jamais fait, c'est le flex. Oula. Ça va, j'ai pas perdu de vie malgré tout. Je vais essayer de flex dessus pour voir. Le flex, c'est vrai qu'on l'a fait au début par obligation et j'ai oublié de vous le refaire. Hop! Ok, voilà. Le flex, en fait, ça, je rappelle, ça attire les ennemis jusqu'à moi. Ah, est-ce qu'il y a un délire? Si je prends pas la même porte, ça fait un truc différent? Peut-être c'est un niveau annexe ou je sais pas quoi. Oh! Le flex, ouais, ça attire à moi les ennemis. Et ensuite, ça leur fait max de dégâts et ça les repousse. C'est pas mal. Encore de la range. Des rerolls en plus. Spike niveau 3, Summon Spike to Impale up to... Ok, ça peut... En fait, il y a moins de cooldown et ça peut empaler plus d'ennemis. Ce serait pas mal. J'aimerais bien augmenter encore, sinon le... la taille de mon... de ma zone, mais... En fait, je fais tellement pas assez de DPS. Je fais tellement pas assez de DPS et j'ai déjà une bonne zone en réalité. Parce que c'est bien joli d'avoir une zone immense, mais si je peux pas... Si je fais pas assez de dégâts. Regardez le flex. Bam. C'est incroyable. Ça fait des bons dégâts. Hein. En tout cas, vu le nombre d'ennemis que je repousse en même temps, c'est pas mal. Hein. Les débris. Les débris, ça peut faire des dégâts aussi. Hein. Ou alors je mets du poison sur mes épées parce que j'ai quand même des épées depuis tout à l'heure et j'ai pas l'impression qu'il fasse grand chose. Donc autant qu'ils soient un peu plus utiles, quoi. Ouais, déjà, j'ai vu, là, il a lâché un petit P, là. Incroyable. Franchement, l'ulti, en plus, il revient assez vite. Alors, j'appelle ça l'ulti, mais bon. Ouais, par contre, fire. Ah, mais vu que j'ai le feu, moi. Ça, c'est quoi? Vas-y, on va essayer de l'améliorer. On peut l'enflammer, maintenant, la petite fumée du P. Après c'est compliqué parce qu'il faut quand même avoir une traînée de feu dessus. C'est peut-être assez situationnel mais bon. On verra bien. C'est marrant. Bon voyez en tout cas un petit jeu pas prise de tête. Mais c'est marrant parce qu'on peut faire des builds assez what the fuck. Et c'est trop cool du coup. Oh là là.
C'est ça que j'aime bien avec ce genre de jeu, c'est vraiment les builds de What the Fuck. Ça me fait penser un peu à Rounds, qui était par les créateurs justement de Tabs. Ah, franchement, c'était un petit jeu très sympa où il y avait des builds, mais incroyables à faire. C'était trop drôle. I Mind Attack, on va essayer à la limite. On l'a toujours pas testé, donc j'avoue que j'aurais pu reroll par contre. J'aurais pu tenter un reroll. Je suis quand même à la moitié du level. Normalement, je crois que le dev a écrit que ça mettait à peu près 2 heures pour terminer le jeu, en théorie. Donc c'est pas non plus quelque chose d'énorme. Alors quand je dis le jeu, c'est juste ce niveau. Le niveau qu'on fait en 3D là. Après, il y a le vrai jeu, entre guillemets, qui est en 2D. C'est du coup différent. Aïe. Ah ouais, il y a une tourelle en fait sur les murs. Okay. Faut pas que j'hésite à utiliser mon ulti. Oh non. Ouais, ça va tirer quand ça fait ça. Ok. En fait, faut vraiment rester en mouvement. Ok, c'est compliqué quand même de les tuer là. Spike level 4, allez. Pourquoi pas? C'est dur de l'enflammer, je me rends compte en fait. Ils sont coincés. Je m'en vais parce qu'il y a encore les tours et j'ai un petit peu peur de prendre des dégâts. Oh, c'est quoi ça? Les zombies? Ils sont avec moi? Ah, c'est les expériences aussi, ils ont les mêmes... Ok. Ils ont les mêmes pansements là à l'arrière du crâne comme moi. Ok. Fire Blast, ouais, j'aimerais bien l'avoir. Ouais, je vais le prendre parce que j'ai besoin du feu pour... Oh, ah ouais. On a vu l'effet de feu en plus autour de moi au moment où je l'ai amélioré. Oh oh, les tirs, oh là là. Je crois que j'ai esquivé en grande partie, mais j'ai failli les prendre. Il y a une petite explosion, je me demande si c'est pas le... Justement le move que j'essayais de faire depuis tout à l'heure. C'est difficile de tout voir dans ce type de jeu. Et là, vu que j'ai pas mal de zones de feu maintenant, entre celle qui est derrière moi et celle que je renvoie de temps en temps. Levitate, float around and look very cool. Comment ça, je vais juste flotter? En fait, c'est juste pour le look, mais ça a l'air trop stylé, j'avoue. Projectile au mine. Je comprends pas bien. C'est les projectiles qui sont repoussés. Je suis pas très sûr. J'ai envie de la lévitation quand même. La lévitation, c'est cool. Je lévite là? Ah ouais. Est-ce que réellement ça a un intérêt ou pas? Si c'est juste l'effet, t'as l'air un petit peu cool, mais t'es encore plus en chewing-gum qu'avant. C'est possible, hein. J'aurais tellement dû prendre l'autre. C'est marrant, c'est marrant. Mince, est-ce que j'aurais pas dû aller à droite avant là? Est-ce que le niveau bonus était pas à droite? J'aurais dû regarder le logo. Bon, déjà, il y a plus de tour ici et ça, c'est trop cool. Par contre, je suis un peu coincé. Attention! Tac. Oh, attendez, attendez, attendez. Force finisher, c'est quoi ça? Follow up an explosion with an extra... Alors, attendez, mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà qu'il y ait une explosion, c'est ça? En gros, c'est un combo supplémentaire à mes petits combos actuels, c'est ça? Au secours. Alors, des fois, mon flex, il marche pas très bien, j'ai l'impression. C'est peut-être parce que les mecs étaient piégés, déjà. Ils étaient bloqués, ils pouvaient peut-être pas être attirés à moi. Oh, ça s'arrête jamais par contre ce niveau. Après on dirait pas comme ça, mais je fais quand même des bons DPS. Hein, parce que là c'est que des ennemis qui ont pas mal de vie, ils ont de l'armure et tout. Et mine de rien, c'est pas si long que ça pour les tuer. Par contre je suis bloqué entre eux, au secours, arrêtez. Ah mais je tank bien, c'est très très cool.
va améliorer la traînée de feu. Ouais, comme ça, ça oblige à avoir les explosions. Vous avez vu, là, les explosions, elles ont bien marché parce qu'en fait, il y a vraiment le petit P qui va dans la traînée de feu. Oh, oh, c'est un boss. C'est un boss. Il fait quoi, le monsieur? Il va rester dans mes pics déjà un petit peu. Eh, ce qu'on lui met, c'est pas dégueu, hein. Par contre, en haut, j'ai l'impression que sa barre de vie diminue plus vite que la barre de vie que je vois directement sur la tête du personnage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre. Oh. Je pense que je vais débloquer par contre les autres persos. Parce que ma partie découverte, en réalité, j'ai été jusqu'au premier boss et j'ai quitté après. J'aime pas aller très loin non plus sur les découvertes, c'est juste pour vérifier que tout fonctionne et histoire de savoir si le jeu est assez intéressant pour être présenté, quoi. Mais j'aime pas me spoil réellement, donc en théorie, je vais pas très loin. Mais du coup, tout ça pour dire que sur ma partie découverte, j'ai quand même débloqué deux persos, donc alors que j'ai pas été très très loin. Je pense qu'il faut que j'évite de l'approcher, là. Flex! Au secours! Ah, j'ai trop peur de l'explosion derrière. Je peux pas dasher ni rien. Ça va, en vrai, j'ai même bien tanké. Allez, va die. Il est mort. On a fait le deuxième boss et ça, ça fait plaisir. Ensuite. Bon, on va lâcher des épées plus régulièrement. Je suis désolé, hein, c'est pas le contenu que je voulais proposer aujourd'hui, mais. Maintenant que j'ai pris ça, j'ai envie de vous dire. Faut que je continue. Faut que ça aille avec le build. À choisir, j'aurais préféré prendre les pics hein, améliorés parce que c'est quand même beaucoup plus classe, mais bon. Voilà, hein. On a le deck. On a le deck qu'on a, quoi. Je pense que je vais encore augmenter la zone. Est-ce que c'est pas idiot en vrai? Parce que je me rends compte qu'avec mon build, de toute manière, mes attaques sont sur moi. Donc que ma zone soit énorme ou pas, de toute manière. Après, j'ai quand même des attaques à distance, mais j'aurais peut-être dû me soigner là-dessus. J'aurais peut-être dû prendre le heal. C'est professeur Xavier, là, ou ça se passe comment, là? Bonjour, professeur. Par contre, professeur, je m'en vais? Non, je m'en vais pas. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bam. Oh, c'est pas mal, ça. Ah. Mais là, vous êtes relou, les gars. En fait, c'est quand je passe dans sa zone à lui. Ok, il a une zone à lui aussi, j'ai vu. Par contre, c'est horrible. Comment je vais le tuer? Oh, quoi? Quoi? Comment ça? Comment ça, je suis mort si vite? Feral Child. Lui, il a l'air stylé, par contre. Il aime mordre. Starting move. Ok. Attendez, on va regarder un peu ce qu'il a. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, les amis, parce que si je relance une vraie partie et qu'elle se passe bien, je précise, ça va être trop long, je pense. Par contre, je veux juste regarder, lui. Donc, son déplacement, je sais pas, on dirait que c'est un genre de jump, je sais pas. Special ability. Il mord, je pense. Donc ça, c'est le X. Et le passif. Les yeux de Star, je... Dead Eye, ouais, je sais pas. Le passif, je sais pas. Hein. Je sais pas ce que c'est. Le dernier est tellement badass, par contre, quand on voit ça. Je regarde juste à quoi ça ressemble, les amis. Alors, la morsure. Ah, ok, il se jette vraiment sur quelqu'un pour le mordre, quoi. Ok, je fais vraiment des jumps. Je fais vraiment des jumps comme ça, c'est trop drôle. Regardez-le. Ah, c'est vraiment... Ah ouais, c'est vraiment pour le RP, quoi. C'est vraiment le... Imaginez-vous, là, je spam comme ça. Ah non, mais je vais faire comment voler, MDR. On s'en fout, c'est pas une vraie partie. Regardez. On s'envole comme ça et on saute sur un mec pour le mordre. C'est trop drôle. Oh, en vrai, c'est moi la bête. Ok, bah écoutez, les amis, on va s'arrêter là-dessus pour cette petite découverte que... Bah, qui, j'espère, vous aura plu, comme d'habitude, bien évidemment. Si jamais ça a été le cas, pensez à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.